Pour l'injection de la toxine botulique, on a d'abord besoin de préparer tout le matériel nécessaire. Sur l'image, on voit tout ce dont on a besoin. Tout d'abord, des seringues, une seringue de 2,5 cc, des seringues à insuline, en principe 3, de quoi diluer le produit du sérum physiologique, des gants stériles, des compresses, des crayons marqueurs pour tracer les points d'injection, un antiseptique, de l'eau micellaire pour nettoyer, une balle anti-stress, c'est toujours utile pour détourner l'attention du patient pendant l'injection, et des lingettes pour nettoyer. La dilution du produit commence tout d'abord par prélever la quantité nécessaire du produit, le sérum physiologique, à l'aide d'une seringue de 2,5 cc. Ce qu'on va utiliser, c'est du Botox 100 unités qu'on va donc diluer avec 2,5 cc de sérum physiologique. Après le prélèvement du sérum physiologique au niveau de la seringue, on introduit l'aiguille, tout simplement au niveau du flacon de la toxine botulique, et sans appuyer sur le piston, le sérum sera aspiré d'une façon douce à l'intérieur du flacon. On aura besoin donc de 2,5 cc de sérum physiologique pour diluer un flacon de 100 unités Botox. On mélange donc le sérum avec la poudre de toxine botulique d'une façon douce par des mouvements circulaires. Puis, on prend une seringue à insuline et on aspire le produit jusqu'à remplir les 100 unités d'insuline. On aura donc au niveau d'une seringue de 1 cc, 100 unités d'insuline, et chaque 10 unités d'insuline correspond à 4 unités Botox. C'est-à-dire, en poussant sur le piston de 100 unités à 90 unités d'insuline, on aura injecté 4 unités Botox. Si on pousse sur le piston entre 100 et 95, on aura injecté 2 unités Botox.